est parti avec Sense maintenant. Sense qui se fait toucher la première fois par Ward. Sense qui se fait toucher une deuxième fois maintenant par Ward. Et Ward qui va faire la troisième touche sur Sense. Et voilà, Ward qui fait la salade tomate-oignon de sur Rune. Et on est parti sur un score d'égalité maintenant de 4 partout pour les deux équipes. Allez, donc Khan qui s'élance pour son attaque. Donc c'est play du côté rouge. Allez, Khan qui a plus que 2 points d'armure. Il y a qui donc va devoir, attention à un défenseur par gauche, on l'entend. Il est là dans le coin, on l'entend, on veut le tuer. Allez. Et il meurt sous le coup des roquettes ennemies. Allez, c'est au tour de Kaspa maintenant de s'élancer. Qui sont esquivés heureusement parce que sinon c'était au minimum 2 touches de prise là. J'arrive pas à avoir le live. La Kaspa qui se fait toucher une première fois par Narwak. Le stream est offline. Ah non, il est on, moi je l'ai en on. Essaye de rafraîchir la page. Ouais, je suis pas le... Allez, le pôle qui peut être capturé maintenant pour Kaspa. Dommage, le glisseur normal qui va passer loin. Ah, ça va être compliqué pour Kaspa là d'aller passer cette défense. Allez, Kaspa qui fait le kill sur Khan maintenant. Il faut aller chercher ce pôle. Kaspa qui va tenter la capture du pôle. Ça passera pas malheureusement. Ward qui fait les deux dernières touches sur Kaspa. On est sur un score de 5 partout pour le moment. Ouais, on a quelques-uns qui ont le stream en 9. Pendant que Ward met donc, ça se lance dans son attaque. Allez, une attaque partout. Ward qui s'élance donc contre les high focus, qui prend de la hauteur. Peut-être que c'est l'avantage qu'il faut pour mettre cette attaque. Allez, premier kill fait sur Kaspa. On va essayer de chercher le défenseur dans sa cage, mais ça ne se pré-shot bien. Et punit un petit peu Ward. Voilà, plus qu'un point de vie. Oh, la roquette bien placée. Allez, on est parti avec Stevie maintenant.